Bonjour, je me présente Christophe Bellarbre, 44 ans. Je fais ce sport, je suis affilié au club de Morizès depuis 3 ans. Et je pratique cette discipline, ça fait 23 ans. Ce sont des motos qui n'ont pas de frein, qui sont alimentées au méthanol. Voilà. Donc c'est des départs arrêtés qui se font sur 4 tours. Alors, bon plan d'arrêt, champion de France, vice-champion en 2008 de France, champion de France 2009, 2010, 2011, 2012, vice-champion de France, 2010, 11 et 12, demi-finaliste de championnat d'Europe, voilà, et 2013, finaliste de championnat d'Europe. Cette saison vient de se finir, j'ai fini 3e au championnat de France. Alors Vincent Tocheport, pilote de Grass Track, Sidecar. J'ai 34 ans, je pratique la discipline depuis 19 ans déjà. La particularité, c'est un sport très méconnu en France, mais c'est un sport très, très prenant. On a des difficultés à arrêter quand on commence. Les particularités sont déjà que les motos sont très spécifiques, c'est des motos sans frein, on tourne sur des anneaux de vitesse. C'est des motos qui sont vraiment conçues pour ça et voilà. Après, la spécificité aussi, c'est pour avoir un bon développement dans ce sport-là, il faut s'expatrier, aller à l'étranger parce qu'il y a très peu d'épreuves en France, donc on devient rapidement, par obligation, un pilote international. Bonjour, je m'appelle Jérémy Malpère, j'ai 31 ans, je suis licencié au motoclub de Saint-Macaire et je suis pilote de sidecar en grass track. En solo, j'ai eu un titre de champion de France et un titre de champion de Ligue Aquitaine. Le grass track est un sport de glisse, mais la grande difficulté dans ce sport est de trouver les bons réglages pour associer l'adhérence à la glisse et avoir le plus de vitesse possible. Pour l'avenir, les objectifs sont clairs. À court terme, être titré en championnat de France et à moyen terme, pouvoir se mesurer aux meilleurs pilotes européens.